amis téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopie aujourd'hui. Hein? Nous avons une édition assez spéciale, non seulement parce que nous avons des invités spéciales, mais surtout parce que nous avons parlé d'un problème qui est très, très, très sérieux dans la communauté. Hein? Et l'homme dit communauté, on ne peut pas parler de communauté haïtienne, non seulement. Nous avons parlé de phénomènes, trafic que nous faisons avec les gens. Pour toutes sortes de raisons, nous pouvons entendre des raisons, ça le invité a commencé à parler. Et donc, invité spécial, ça aujourd'hui, hein, c'est d'abord State Attorney, hein, Catherine Fernandez Randall, qui est avocat général, si vous voulez, bon, ici, là. Une députée dans le bureau, Marie-Jo Toussaint, un autre avocat dans le même bureau, ça. Et puis, Sabrina Salomon, un avocat, tout, qui participait dans un pile d'émissions de Télescopie, et que nous sommes assez familiers avec lui, bon, ici, là. À partir du travail dans Haitian Lawyers Association. Mais aujourd'hui, hein, comme on dit, sujet d'importance, c'est le trafic. Problème trafic, ça, vraiment un petit peu partout. Et donc, on va parler de ça un petit peu pour nous permettre de nous reconnaître signaux, pour nous permettre de nous reconnaître pour qui ça, en monde sujet à, justement, à type de violence, ça, type de trafic, ça. Et puis, qui ça a fait comme communauté pour éviter, mais pour combattre le problème, ça. Donc, thank you very much for joining us today. Marie-Jo, Kathy, Sabrina, very nice to see you. I'm sorry I called you Kathy. I should be calling you please. Madam State Attorney. Gypsy, we thank you, and please, Kathy's good. They call me a lot of worse things. But thank you for being here. Thank it really you is for a pleasure. Having us, and it's always a privilege to be with you and listen to you and be part of your effort. Thank you. Marie-Jo, nice to have you back. It's always a pleasure to be here, and Je salue la communauté haïtienne, les téléspectateurs qui ont attendu le programme. C'est un très grand plaisir pour nous venir ici en parler avec nous après-midi. Très bien. Et puis, quittez m'ajouter que nous devons féliciter parce que ça, bon, ça gagne un petit peu de temps, mais comme on ne peut pas passer dans la télescopie, nous apprendre que nous jouons en promotion. Donc, je viens aujourd'hui, nous gagnons l'autre rôle, l'autre titre, mais beaucoup plus de travail, moi imaginez. Beaucoup plus de travail, absolument. Mais nous fiers de vous quand même, parce que vraiment, position ça, c'est pas gagné 5 que j'aime occuper. Donc, c'est dans ce sens-là que vraiment, je voulais vous félicitations, que la communauté est fière de vous. Merci. Sabrina, nice to see you again. Welcome back. It's been a while. It's been a minute. C'est tout le temps. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous dans la communauté A pour nous parler de sujets, surtout sujets qui sont très importants, qui ont à voir avec violence et comment pour nous combattre dans la communauté A. C'est ça qui est important. Mm-hmm. Donc, encore une fois, merci que nous permettent d'entrer dans le salon de la CAIN aujourd'hui. Et puis, merci, Gypsy, pour l'invitation. Donc, plaisir. Quittez ma vertu, téléspectateurs, que l'émission aujourd'hui a en anglais surtout, mais là, un petit peu bilingue, l'on est capable. Hein? Donc, on a assuré nous que vers la fin, nous faisons un bon sommaire, un bon ramassé pour permettre nous retenir point clé que nous faisons. Mais à cause de State Attorney, hein, évidemment, qui pas parler suffisamment de créole pour le faire une émission totalement créole aujourd'hui, hein, donc on a fait en anglais. So mm-hmm. we'll speak English going forward until perfect. The end. And so we're talking about trafficking, yes. Right? So why don't you define for us how, you know, what trafficking yes. is? And that's been part of our journey. Just a little backdrop, it was about 3 years ago when Florida was considered, and by Huntington Post and other well-known outlets, they were saying Florida is like second or third in the country for the numbers of human trafficking victims. Mm-hmm. And it was at that point that I called everyone together in my office and said, where are these cases? And when we didn't have cases, it was clear that we were looking at it the wrong way, that we didn't understand what it is. So part of our journey has been to actually define what is a victim of human trafficking. And it, I will tell you and kind of confess to you that it isn't what I thought and many people think it is. It's not necessarily children in cargo and container cargo ships behind bars from the Philippines coming up through South and Central America. There is that, but that is a different piece of it, really. Our piece is really the victims are in our schools, they're in our neighborhoods, they're in our streets, they're in our foster care system. These really are our kids. So we're talking victims. So victims of what? Let's define for the yes, audience. Well, what are trafficking victims subjected to? What we're focused on is sexual exploitation. Okay. The what you generally hear about nationally in the national conversation deals primarily, not exclusively, with the labor market. Mm-hmm.
What we're really focused on is the sexual exploitation. And so what generally happens is you get predators who become pimps, who look at young, primarily females. About 75% of our victims are females. We haven't wrapped our arms around yet the male population or the transgender population either, for that matter. But what tends to happen is they tend to be young girls, as I said, who are what I call throwaways or runaways. They start kind of as nobody really wants them, or they're having a problem at home, or, you know, they're in mom's house and there's a male in that house, a new husband, a new boyfriend, stepdad, whatever, older male, who begins to do inappropriate things with a young girl as she becomes pubescent. And so then she runs to a girlfriend's house, and that's where all the trouble really begins. They can be kidnapped, they tend to be drugged, they can be taken to hotels, to apartments, and I can give you, we'll talk about some cases, where they then are drugged, beaten, and really, honestly, they're locked in rooms, and they're just, this is modern day slavery, mm-hmm. truthfully it is, and I know my friends here know this. It's just a heartbreaking reality. So, of course, we're going to focus on sexual trafficking today, but I want that for the sake of the audience to sort of give a broader overview, if you will, of how other forms that take place that may be kind of familiar to the audience as well. Right. What the state attorney focused on is what the office of the state attorney with mandate is focusing on and really doing a great effort in combating. But the reality is we also have the other facets, as mentioned earlier, in the labor context. Mm-hmm. The only thing, it's really, sometimes it could be a disservice to really classify, because anything that doesn't look like what's in the category that you've heard doesn't necessarily look like trafficking to you, and it could be, so people may miss. So what you're looking at is for signs of people who are forced into acts that are not normal, mm-hmm. so to speak, and they're forced into it with no way out. Mm-hmm. And those acts generally, in a way, really minimize their human conditions. Mm-hmm. So anything that will cause you to look at someone doing something like they shouldn't be doing it, that's a flag. Mm-hmm. And the person, of course, is very afraid. Exactly. Looking over their shoulders. You have to have that coercion element to it. Uh-huh. However, when we do talk about sexual context, when the kids are that young, they are not required to even show the coercion, because it's right. assumed that behavior is so reprehensible that those kids would not voluntarily consent to it. To those kinds of actions. Right. It doesn't matter. And I think there's something that Sabrina talked about, which is really important to look at. It's children or young people being forced as if being treated as basically collateral. They're things. They're not people anymore. You don't have the respect for human dignity. These are the chattels. They're just like animals. And so we can do anything with them. They're nothing. Let's talk about the conditions then that give rise to this kind of trafficking. You know, what is happening in the average victim's life that would, I suppose, result mm-hmm. in being trafficked, right? So let's take the sexual trafficking, yes. right? So I'm home, and there is an older male making inappropriate advances, abusive, mm-hmm. and so I begin to rebel, mm-hmm. and let's say I'm afraid to tell somebody at my house, yes. or if I tell somebody and they don't believe me, mm-hmm. maybe I'm forced to run away. Mm-hmm. Right? Yes. Is that for sure? Okay. And unfortunately, sometimes they feel ashamed, which they shouldn't feel ashamed, because right. they're the victims, right. and this is inappropriate behavior by who's doing this to them. They're mm-hmm. abusing them, but for them, they don't want to go tell their mom or their grandmother. In some instances, where the young girls are staying, let me give you an interesting example, and they come in various forms. One was a 16-year-old girl. Her mother had left her with her grandparents, and she moved to Texas. And the grandparents were wonderful people. They lived in Homestead. And one day she just ran away because she was having problems at home. And then she became a missing person. Mm-hmm. So they reported her to the police, and she became a missing person, which was good. Mm-hmm.
Days go by, it was in the newspaper, and she was finally found by a security guard at a hotel. And he said, you know, I saw this young girl's face. And what it, when they called our office, actually, the police, we went out there, and she was upstairs, forced in a room, and any time she tried to leave, they would beat her, or they would say, really, I'm going to bring in three or four men. And they'd throw three or four men and lock the door on her. I mean, this truly is a brutality, a torture that you can't imagine. The 16-year-old was saved, really, by the security guard. Mm-hmm. And here's what's interesting about this story. When we rescued her, we thanked the security guard. And I'm not going to mention the hotel. Right, we all would no recognize need to, it. Of course. It's right on US 1 down south. But, you know, we said, we want to thank you. We want to tell your bosses, well, how great. That's exactly right. Sabrina's reaction. They went, no, please don't do that. And we said, well, maybe I wasn't supposed to be at the hotel myself. Well, they don't want to know. We'll lose our job. Okay. Mm-hmm. Wow. Because so what you have is you have an industry, not all of it, of course, it's like anything else, you have good and bad, but you have a willing participant in some ways just by willful blindness. Mm-hmm. They don't want to know. They want to look. Mm-hmm. Or they hire, for instance, in some hotels, they hire security. It takes $100 and they look the other way. Got it. So then the job would be in jeopardy if, in fact, he were congratulated. Not just the job, because the hotel itself benefits from the traffic of course, they're paying. Yeah. Well, of course. There's activity going on there. Board and, clearly. You know, they're paying. Part of that supply chain, if you will. Yeah. Mm-hmm. And there's something else in our community we need to be aware of is the influence of friends. Yeah. Yes. Because young kids, young folks are vulnerable, no matter what the gender, and you know, they may get into the situation not even knowing what they were getting into because one of their friends has recommended a certain type of behavior and shown them, you know, a nice phone, things that their parents really cannot afford, and then that, you know, leads them to get into situations that they lose control of. It's really true. It's sort of, you remember, go ahead. You know the Stockholm Syndrome that most people can relate to. It's a really good point that Sabrina brings up because, like, for instance, if you take the foster care home, and I'm talking about cases that have been in the media, so I'm not exposing anything that I shouldn't. Those girls were in the foster care home. All they wanted was attention. A little love, somebody to make them feel special, get their hair done, but ultimately they wanted a cell phone. They wanted a cell phone so they could do it. Of course, kids want a cell phone today. And the predators know this. Of course, this is a simple conquest. Of course, and they also know that the household can't afford the phone. Exactly. And so we'll show up with it and lure, I suppose, the young kids to this activity. Absolutely. So we got to go for a break. Yes. And when we come back, we'll pick up on the socioeconomics that drive this trafficking, in addition to the psychological issues as well. Mm-hmm. We'll be right back after this first break. Allô, amis, moi. Non, moi, c'est Ernst Louis-Jacques. Dans tout plan médical Advantage qui est en Florida, c'est Humana qui gagne plus. Et puis, il offre un plan qui peut faire payer comme pas moi. Visite dans la clinique docteur, assurance pour l'hôpital avec médicaments prescription. Avec transport ou maintenant qu'un docteur. Avec un pile l'hôpital, avec un pile docteur pour choisir. Relais Humana. Humana, c'est un bon ami. The most important 20 minutes of your day is spent reading to a child. Make books a part of your family's daily routine. Point to and talk about the pictures. Ask your child to repeat the words. Answer questions. Talk about it. 10 o'clock. Hey, that's really good. Enjoying books together now helps children read to learn as they grow, ensuring success in school and in life. But their success depends on you. Don't let the children in your life become a statistic. For more information, visit thechildrenstrust.org.
The Children's Trust Helpline, comment me aider ou? Petite fille besoin d'un plus bon note l'école. Petite garçon besoin suivre exemple au monde que le respecter. Moi pas capable continuer faire tête moi ça. Si ou la caillou, marquez 211. Si ou appeler dans un cell phone ou sur un téléphone public, marquez 305 631 4211. N'a coûté ou, n'a comprend nous et n'a aider ou dans n'importe problème ou gagne. 211, The Children's Trust Helpline. Attention programmeurs, producteurs indépendants, propriétaires d'entreprises, gain tant d'antennes qui disponible pour vous dans Allen TV. Offrez tête un produit de qualité audiovisuelle, là où utilisez les studios de Allen TV. Fait qu'on a business ou, fait business ou grandi, utilisez tant d'antennes dans Allen TV. Rélez jeudi à même pour information. 305 919 79 93 ou tapez www.allentv.tv. Spectateurs, we're back. N'a parlé jodi de trafic et n'a pété en pile en phase sous trafic sexe. En même temps, tout n'a parlé un petit peu de trafic que moun subi par exemple à travail en côté et puis il y a tout un série de conséquences malheureuses qui réservé pour eux. Maintenant, just to continue, I wanted to give the audience a sense of what the predator looks like, right? The average or the typical predator, if there's such a profile. What do you think that might look like? Each of you can weigh in. Sabrina, what does a predator look like? And what is he looking for, maybe, is the better What the predator pressure. Is looking for is it's somebody who's vulnerable. Mm-hmm. Because vulnerability will allow them uh-huh. to really prey on that individual. So let's define vulnerability. Vulnerability has many facets. Okay. It could be because you don't have the financial mm-hmm. freedom or financial abilities that mm-hmm. you would want. It could be because of your runaway. It could be because you're runaway. Mm-hmm. It could be because within your family there are strict parameters that you're not allowed outside mm-hmm. of. Okay. So in a way you're rebelling okay. against them. And okay. so that's a vulnerability. A home where you're not feeling a lot of love. Exactly. Mm-hmm. Self-esteem of mm-hmm. the person, where if they're residing in a home where the parent figure lets them know that they're not worth much. So they have embraced that view of themselves and they really don't value themselves. Mm-hmm. That makes them highly vulnerable. I would imagine and, so. And, you know, the others will probably weigh ahead, in. Absolutely. Everything, the profile that Sabrina named is right on target. I would add a couple of other elements. Mm-hmm. I would add that their purpose is to make money. Their purpose is to, this is a $32 billion a year industry. And at any given day, there's 2.7 million victims. So these guys are in it for one reason only. It's for money. So they're looking for money, they're looking for, unfortunately Marie said it earlier, it hurts us to say it, but it's the reality, they're cash cows. Mm-hmm. Our director says they are walking ATM machines mm-hmm. for these bad guys. Wow. And so the predators, are for them, they're looking for someone, who can I win over in a fairly short period of time, put into work right away. And this work is sex work, essentially? It's all, yes, yeah. I'm focused on the sex work. Mm-hmm. And just to give you a quick example, one girl, she was 15 years old, kidnapped, was at a girlfriend's house. Mm-hmm. Mom said, it's time for you to go. You know, go home. And the girlfriend said, why don't you come to my boyfriend's apartment? She went to her boyfriend's apartment. Those two boys, they were brothers. And the rest is really horrific, but mm-hmm. they rape her there. And they then take her to three hotels and gas stations. And they work her from 6 p.m. to 6 a.m. And 24 men, and they're counting. Every 30 minutes, they're sending a new man into the room, locking the door.
And they're collecting the money outside, and you can actually see on some of the videotape. Unfortunately, we can't get the tags at that hotel. We're working on it for the other hotels in case anybody's listening. But, I mean, just to show you, to this is a business. Yeah. This is money. Yeah, it's not like... It's not like a ruthless thing. It's not like drugs, because the drugs, you have it, you sell it, it's gone. Right. But when you have a human, you sell it. You, and use, you use it over and over and over. It's that... And what really happens when we talk about a child who's missing, whether it's emotional, because oftentimes we may think it's money, but oftentimes it's emotional support for whatever reason. We're not blaming, but and it could be this, the child who feels it, but they feel emotional. They feel emotional needs are not fulfilled, and these predators watch. And they look for people who look, because a who vulnerable person looks like it. Absolutely. A vulnerable person, and that's why you tell people when they walk straight, look at people in the eyes, because you're looking downward, you're sad, people think that you're afraid, or you're suffering somehow. And they come to you, and they offer this, what appears to be a wonderful world. Mm-hmm. You have somebody finally who loves you, and they start this way. They love you, they take you out, they buy you stuff. Now, it's nice that they buy you nice stuff that your parents can afford. But then, sooner or later, there's a price to pay. Now, North Miami had an example of two young girls at the school. And again, I think Kathy talked about a security guard who was able to see and was able to know that something was wrong. And I think it was a counselor, wasn't it? It was. A counselor at the school who noticed these two young girls, all of a sudden, they were different. Mm-hmm. They were dressing very provocatively. Yes. They weren't studying anymore. Mm-hmm. And the attitude was totally off. Mm-hmm. And it turned out that both of them had been trafficked, yeah, or were being trafficked. Yes. And at that point, the one other facet of it is, once the child gets installed, they then oftentimes threaten, particularly if they have parents, they threaten to hurt the parents, the other child, or the other children. And so this child now, all of a sudden, is in a position where they can't get out of. And had it not been for a counselor who was vigilant enough to know something was wrong, this would have been, you know, we don't know what would have happened. Wow. And those two were, I think that we saved one. We saved one. One was saved, the other one was too late. The other was en route, and we were the able other to, one was too late. To nip it in the bud. So now that we understand roughly what a predator is looking for, right? So the identifies the prey and says, okay, this person I've spotted, and I'm going to go after this person in order to get them involved in this sex trafficking business. But then, is this predator working alone? Are there other means of recruiting? Are there other people helping to stake out the prey such that this person will say, well, this is a good spot, or this is where I'm going to find potential recruits, or this is a good neighbor, a good environment in which to recruit? How is this happening? Again, to give the audience a sense that this thing is all around us. I think it depends, because you remember, it's a cash. The focus is getting cash. So I don't think you can discount one individual doing something similar versus a group of individuals, because the scope is bigger. Understood, but I'm just trying to understand. Let's say, you know, so I'm the predator, and I know exactly what I'm looking for. I'm looking for girls who are vulnerable, girls who look lonely, girls who look or feel unloved, et cetera, et cetera. And so I've spotted somebody in a school. I've spotted somebody at church, because they're all over, right? Mm-hmm. But so are they working alone generally, or are there networks? Sometimes they are. I mean, they don't have, you may have network, and you may have, you could have one person who's paid other people to recruit, because we've talked about sometimes in the schools you've got other students who may be victims who appear to have graduated, shall we say, and now they're helping to recruit. Wow. And so it may not be a one-man operation. It could be. It's a but network. It could be a network. Kathy, what have you found? And oftentimes it is exactly what Marie Jo was saying. Sometimes they use other women to recruit because it makes the new victim feel more comfortable. And just like Marie said, they actually have a title. They're called the bottom girl. There's another word they use, but I won't use it. Okay. And that's her job, but a lot of it starts with that's the only way she can save herself. So instead of her being raped, you know, 20, 15 times a night,
it will be, she'll find somebody else. Wow. The other thing they do is don't, let's not overlook Backpage and computers. Because a lot of these young people, this social media world for them is much stronger than... It's a double-edged sword. Yes, it is. It's a double-edged sword. But I also think... So they're recruited via social media. They are recruited. The two girls that Marie Jo was referring to, North Miami, that was through the computer. So imagine the situation in so many households where there are computers, children on computers, teens on computers all the time. The parents have no control, can't tell Facebook from Twitter, right? It's true. And yet all this activity could be going on under their noses, and they wouldn't even know it. They wouldn't know. Mm-hmm. And truthfully, that's a very good point that you raised for the parents, because you asked a question earlier, and I was thinking about it on some of our breaks, about is there a socioeconomic factor in here. And I would tend to take a stab at it and say there probably is. Not necessarily for her, but for the family. Because a lot of times these families have to work two or three jobs. So oftentimes these young people are either at home unsupervised, and so they're, surfing on the computer, and they're not checking, and the parents are working so hard that they don't have the time to sit there or don't know how to check and monitor because they're busy working. Or they don't have the time to be there in love. Like, for instance, in the case of the two girls, they were recent immigrants and their parents were working two and three jobs. And so they felt lonely, the girls. So I think there actually may be a factor of that, especially if they want cell phones and things like that. The other thing that you mentioned is schools, the logical places where young people would be. Parking lots of schools, they go to 7-Elevens, McDonald's, the malls. I was somewhere yesterday, I couldn't believe this. A woman, I was speaking in front of a trade women's group, and a lady there said, have you been to, what's the new name of the Cutler Ridge Mall? Has a new name. The Cutler Ridge, well, I call it the Cutler Ridge Mall. Shows you. That's how I know. I'm dating it. It has a new South Ridge or something. Southland, that's okay. It, thank you. The new name. And I said to her, what do you mean? She says, you don't know what's going on there. I said, truthfully, I do not. And she said that all you have to do is right after school, the 14-year-olds congregate with these older guys. They're everywhere, and they come up and say, today's my birthday. I said, well, how do you know that? And she said, oh, because I'll hear them say, oh, today's my birthday. I want to treat myself. And so the girls are there from after school. The parents are thinking they're going to the mall. Oh, and it's some after-school program. Very sad. So your program like this, really, this is one reason I think we're all so grateful to be here, because we really need 1 million eyes and ears out there to be looking, to be faithful, to understand that this is a serious problem. It does happen in the dark shadows. It's the underbelly of our community. It's probably been happening for years, and we just didn't. Right. We didn't know. We got to go to break. When we come back, we'll pick up on what people need to be looking out for. The signs. We'll be right back. Après un petit pause tout court, ou un brief formule. On continue tout de suite après un petit pause tout court. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. For most of us, this is the sound of childhood. But for over 4,000 children in Miami-Dade County, this is their reality. Abused, abandoned, and neglected, with no one to speak for them. But now there is a voice and hope.
Voices for Children. Find out how you can be the one big difference in their lives today. Moi-même, le Miami, Allen TV, tout le temps, ça c'est télévision, pardon. Je suis auprès de toi. Comme la nuit, je suis dans le silence. Comme un petit chien, chérie, je suis auprès de toi. Tous téléspectateurs, avec invité nous, avocat Marie-Jo Toussaint, avocat Sabrina Salomon et state attorney Catherine Fernandez-Rando. On a parlé de trafficking et en particulier sex trafficking, parce que non seulement c'est son réalité à travers les États-Unis, particulièrement dans l'État floridien, nous parlons exactement compte qui ça fait, par exemple, Marie-Jo. Les trafiqueurs, les prédateurs trouvaient que Floridland sont hotspot pour activité ça. Et qui ça qui explique ça? Fon dit tout que Floride gagne en pile immigrés, gagne en pile monde. Okay. Et là, le nous garde des populations immigrantes, sont populations vulnérables. Oui, bien sûr. Dans toutes différentes facettes, dans toute qualité de situation. Bon, et trafic que nous avons ici, et quand vous êtes étonné tout à l'heure, nous ne pouvons pas vraiment réaliser. Et sévérité problème là. Ah, c'est à peu près 3 ans de cela, je commence à dire que pour Florida, c'est numéro 3, numéro 4. Et mais qui ça que nous, le comparé avec l'autre état des États-Unis. D'accord. C'est ça, que Florida, c'est trafic. Numéro 3 ou numéro 4, trafic d'humains. Okay. Bon, là, on a parlé de trafic, qui ça que nous voulons dire? Et en loi criminelle, loi dit comme ça que on ne peut pas utiliser un autre monde. Non seulement c'est un adulte, mais en pile fois c'est mineur. Si moun 13 ans, 14 ans, nous jouons par exemple, avec lui pour faire des bagailles. Comme okay. Commodité. Ça okay. Veut dire que quand moun ça a pas moun encore, c'est simplement ou bien son propriété qu'on servi avec pour faire comme. Que c'est prostitution, sexe. Okay. Que c'est travail, parce que nous jouons ça tout, par exemple, qui est trafic dans le jardin. Côté que vous prenez mon yoyal, prenez yo dans l'autre pays, vous dites que vous avez venu ici pour faire bon travail. Et puis, il y a une résidence, ou bien vous jouez dans le jardin, ou bien vous jouez dans l'hôtel à faire prostitution. Et là, ça, moun, ça. Vraiment, son prisonnier. Son prisonnier, puisque le pas qu'à quitter, le pas qu'à sortir, le pas qu'à courir. D'ailleurs, il saisit tout document. Il saisit document. Et c'est justement ça qui fait le dit Florida, c'est son destination, parce que nous gagnons tout le monde qui paye, pas de papier. En plus, là, il n'y a pas de bon papier, vous comprenez. Mais le problème que nous avons, par exemple, ça que nous avons ici, quand nous avons ici, plus souvent, c'est Timoun qui l'école, Timoun que nous avons les runaway, qui sauvé à cause de problèmes familiales, ils sont dans la rue. Donc, si je comprends ce que tu as dit, climat, enfin, ce n'est pas climat, non? Environnement. Environnement, c'est un meilleur mot, permet justement que l'industrie ça a développé. Oui. L'industrie ça, comme la base, c'est le monde qui est vulnérable. Oui. Et comme zone plein, j'en ai dit, de monde qui est vulnérable. Donc, son côté justement, que y a un prédateur capable d'organiser pour le faire comme. Dans le trafic de monde pour sexe. Vous voulez clarifier tout que Floride, non seulement c'est un côté qui a un pile d'immigrants, mais c'est un côté même américain entré-sorti. Oui. Qui a un pile. Très populaire, un pile exactement. Destination. Qui a un pile entré-sorti. Donc, ça l'a créé, c'est que le monde, ça, par exemple, il a établi une base, un côté, pas de monde qui a mis Dieu sur ça, parce que tellement entré-sorti dans le monde. Touristes, activités, tout ça, c'est très juste. Mm-hmm. Donc maintenant, industrie, ça, justement, que mon équipe prédateur qui saisit. Occasion réalité floridien pour établir type de business ça maintenant pour que communautaire pour que parents cap suivent nous là qu'on y a comprendre de qui ça n'a dit de qui ça n'a parlé m'aimerais que peut-être nous tous deux permettre nous faire un petit sommet un petit ramasser de points essentiels que nous avons dit là jusqu'à présent donc prédateur ça monde qui met question monde qui chef question trafic là l'a chercher des monde qui vulnérable et vulnérable en veut dire les gens vulnérables parce que li gen faiblesse émotionnelle, li gen avenir parce que gen faiblesse économique, ça dit son monde qui gen besoin qui pas ko satisfait. Vous comprenez? Donc et
prédateur là, il connaît ça l'a cherché. Donc il faut identifier, c'est tout un processus psychologique j'en approcher victime là, ça que l'identifier comme victime potentielle là à cause de vulnérabilité. Et j'en ai parlé avant, ce n'est pas lui-même directement nécessairement qui approche la victime, non? Parce que qu'on a employé de l'autre monde qui semblait à la victime. Non? Par exemple, si la victime est une jeune dame de 18 ans, il y a cherché l'autre jeune dame de 18 ans qui est déjà en bas de contrôle bien, pour encourager l'autre nouveau victime, ça que vous voulez gagner. Donc, un point qui est important, c'est que le prédateur, ça, en général, le travail en clic. Hein? Et c'est eux-mêmes, et puis il y a l'autre monde qui a un rôle bien précis. Que vous pourrez jouer dans le processus de recrutement. Exactement. Oui, gain qui travaille en clic, gain par exemple, victime qui était prend auparavant, et mais c'est victime ça, victime dans les mêmes connaissances qui vit nous prédateurs, voilà, qui fait partie de qui prédateur. Donc c'est victime ça lui-même. Pour le pas victime, c'est lui-même, il n'y a pas le forcer à la position, mais c'est lui-même qui a cherché l'autre monde. Il a cherché l'autre monde pour remplacer, parce que c'est lui-même ou bien l'autre monde. Voilà, c'est un nouveau job. Donc, vous gagnez comme ça. Ou gen tou moun, par exemple, gen moun ki ase, ki ase ou l'organizasyon, ki ga gen plusieurs moun kap travay pou yo, pou son disonje, se kop kap fè. Tout à fait. Donc, sou gen kop kap sot ici, kop kap sot bo, ou kompren, donc, ou gen wak gen moun ki travay kon sa, men gen moun tout travay pou tèt yo. Encore, se moun sa yo, victime sa yo, et men si kan koun te dit alè, se machine ATM. Wan di gande, wal rali kop. Oui, oui, oui. Et pou yo. Oui. Donc, nou menm sa nou di, nou ta remè ke paran yo, et pa yon paran, que famille fait mais attention. Tout monde, mais c'est tout pour nos communautés. Vous comprenez, il faut que nous ayons des yeux qui regardent. Est-ce que si nous avons un petit monde qui paraît vulnérable, est-ce que nous avons un problème? Nous ne disons pas des petits problèmes. Non, mais regardez pour nous qui genre de signes. Parce que nous avons tendance à peut-être presser pour nous critiquer. Bien vite. Vous comprenez, nous, un jeune fille, un jeune garçon qui a un comportement que nous ne comprenons pas, l'habiller en gens que nous ne finirons pas. Et puis bon, nous déjà parer pour nous voir le jeter. C'est ça. Hein? Tandis que c'est monde ça qui est victime que nous avons décrit là. Et c'est les cas besoin plus aide nous, plus support de nous-mêmes. Ouais. Et c'est peut-être que l'activité que l'on fait, c'est une façon que l'on attire l'attention pour les gens qui ont peut-être. C'est ça. Hein? Maintenant, c'est ça. On regarde. On garde des signes, ça y est, potentiellement. L'œil en monde en situation, côté vulnérabilité, ça. Bon, comme on qui identifie, il y a un temps recruté, et puis il est tombé d'emblée dans le trafic, ou dans une raquette, qui te dit une raquette trafic sexe. Bon, vous regardez un petit monde qui a porté la qualité chaque soir. Kap mette tout d'un coup li, lap mette robe, lap mette jan de vêtements, konti jan très décolleté, oui. Tout collagé. Oui, kaliko. Kaliko. Ah, oui, oui. Kaliko. Oui. Et kaliko. Oui, c'est-à-dire tout col dur. Tout col dur. Oui. Ou gen tout, par exemple, tout d'un coup, l'gon téléphone. Un iPhone et peut-être. Et c'est pas où cache-t-il. Oui. Pas où cache-t-il. Ok. Gen iPhone, gen téléphone, gen et téléphone sonné, li kou y sorti pour pas attendre ça kap pale. Alors, qui te vous corriger tête moi? Parents ou bien grand monde dans Kailan, pas connaît qui est-ce qui achète téléphone ça. Voilà. Parce que c'est un droit en famille, c'est un droit marraine ni parrain ni qui fait le cadeau, mais le téléphone nan là soudainement et pour pas identifier côté le sorti. Right. Et le pas cadeau côté le sorti. Très bien, très bien. Ou gen computer tout connait, gen computer yo son line. Computer que pas côté le sorti non plus. Vous comprenez? C'est-à-dire ou bien est-ce que si moun nan son site et puis le loi pas approché. Les courriers fermés ici. Oh oui, absolument. Parce que le fameux, on voit qui photo qui apparaît dans le computer. Sur l'écran. Mais l'on a dit ça, il faut songer tout que jeune, très, 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 comme tu as dit, soufflé, c'est un bon mot, très, très fait affaire en cachette. Donc, c'est peut-être pas parce que ils sont site qui pornographique non mais parce que peut-être la font bagarre que le pas supposé faire oui. Et puis grand monde apparaît et puis les minimiser site là et puis ou même grand monde qui pas contre salter ou qui a droit faire des assumptions qui pas correct donc là dit ça c'est une possibilité qui existe même quoi l'important pour nous dire que c'est pas un seul pas qu'il y a un seul ou deux symptômes vous comprenez formez-t-on un bagarre ensemble. Parce que ou gen wagon symptôme est isolé
qui ne veulent pas dire que les gens sont victimes. Mais là, il y a plusieurs, il faut regarder, est-ce qu'il y a plusieurs différents symptômes? C'est ça. Pas qu'on ne peut pas comprendre. Faut mettre dans le contexte. Bien sûr, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce qu'on jeune a un téléphone. Non. Ou pas qu'à identifier, qui voulait dire que l'I impliquait nos questions de trafic sexe. C'est pas vrai? Mais j'en ai dit, il y a des signes qui vraiment, comme tu as dit, flagrant. Mm-hmm. Pas vrai? Phénomène tatouant, nous connaissons que ce n'est pas dans toute caille, dans la communauté haïtienne, non, que grand monde haïtien d'accord question tatouant. Ça, très, ça pas négociable pour la caille pape. OK? Bon, maintenant, gonfler le tatou, par contre, qui. Clairement lié avec question trafic de drogue. Excusez-moi, trafic sexe, pas vrai? Mm-hmm. Le tatouant, par exemple, mais je corrige si bien tort, le tatouant gen non yon moun, ou bien le tatouant gon signe, son signe, par exemple, on signe dola, comprenez? On signe qui n'est pas normal. Parce que jeune remet tatou ces jours-ci, yon met fleurs, yon met toutes sortes de bagages qui drôle. Mais. Ou bien c'est un tatou, par exemple, marqué papi. Oui, papi. Et c'est pas il va parler de papa, non? Non. Il va parler papa, papi, gien cob, signe cob blanc. Oui, oui. Et ou gien droit tout ou ti moun pas content. Ou ti moun ki à l'école travaille très bien, pas travaille encore. Il va pas travailler à l'école. Il pas gien discipline que toujours gien. Pas discipline que il gien longtemps. Dormir dans yeux tout le temps. Et pas moins de soir travail en nuit. Si moi non pourquoi tout par contre ça qu'a passé dans caille. Maintenant pendant qu'on dit ça vraiment important parce que me connais dans communauté panoua, nous gain en pile famille qui obligé faire 2-3 jobs parce que job $7 pas assez pour payer en caille. Donc réalité ça c'est ça lié. Maintenant c'est dans caille ça yo justement qu'au cas jouer dans situation côté pas gain surveillance, donc gon ti moun qui vulnérable. Pas parce que maman ne papa le parent maintenant, mais parce que pas gain surveillance. Donc facilement un monde qui vient d'elle. Pour ça. Ça. Maintenant, qui s'en a dit, qui s'en a dit, monde, enfin téléspectateurs, yo, comment on a dit veiller petit yo, qui s'en a dit surveiller, qui précaution a demandé au plan. On m'a dit important c'est dialogue avec Timoun. Parler et pas gêner de parler de tout sujet avec Timoun. Oui, je vous dis hein. L'important pour Timoun. Connaît que la l'aise pour le parler de tout sujet avec parents parce que c'est ça qui demain qu'a peut-être sauvé lui parce que s'il déjà gagne habitude pour parler avec parents il gagne confiance que le parler à parents il a dit n'importe qui ça sans pas gagne une mauvaise réaction de parents là ça s'il arrive dans un problème côté dans situation côté pas confortable puis au départ là bien intuition pour parler avec parents donc moi pense c'est très important son problème son question clé. Tout à fait. Marie-Jo, vous pas ajouté? Nous n'avons pas ajouté tout. Nous pas dit, parce que nous connaissons vraiment, nous connaissons besoin, nous connaissons practicalité, qui problème que certains parents gagnent et obligés de travailler. Moi-même, je vous dis, il faut faire une façon quand même pour checker sur les gens. Si vous avez un voisin peut-être, vous avez une famille, qui peut aider? Parce que les gens, c'est les gens. Vraiment, il n'y a pas de jugement pour être gagné. Donc, quand il faut tomber dans le bon, c'est parce que pas de monde là qui est pour aider. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé de la mesure possible pour joindre des amis, parents, monde que vous faites confiance. Parce que deux fois tout, ou même au monde là qui est, puis bon Dieu, c'est l'enfer. C'est monde qui parle pas tout. Donc, l'important pour gagner. Pour gagner son monde qui a une confiance, qui peut aider peut-être voyez sur ce très bien. Très bien. Quittez-nous pour on l'autre pause, et puis l'autre retourne, on va continuer la conversation. Ok, on va retourner tout de suite, les spectateurs. Change is coming to the world of healthcare. The Affordable Care Act guarantees health insurance access for everyone. And you may have a few questions about it. Which plan is right for me? How much is it going to cost? Do I qualify for financial help? Relax. You're not alone. Florida Blue is here for you. Just call 1-800-362-0621 to talk to someone who understands your needs. We're ready to answer all your benefit questions, help you choose the best plan for you and your family, and even show you ways to help pay for coverage.
We have people all across the state ready to guide you through the changes in healthcare. You will even be accepted if you have pre-existing conditions. But the time to enroll is right now. So call 1-800-362-0621 today or visit floridablue.com to shop our plans, find a local agent, or locate a Florida Blue Center near you. Because when healthcare questions happen, we're here for you. Call today, 1-800-362-0621. L'État de la Floride offre une assurance de la santé qui couvre les timonio depuis au fait un Isler au 18 ans, même si tous les parents n'ont pas de travail. Florida Kid Care couvre diverses qualités de services médicaux, sorties sous visite à docteur, l'hôpital, à toute cas urgence. Centre là, de chez Neighborhood Center, invitez tous les parents haïtiens à prendre avantage assurance d'État Florida Kid Care. Passez dans 50-00 Biscayne Boulevard ou les 305-573-4871 pour réclamer une application. Assurez petit tout. Voilà, nous deux tous téléspectateurs, enfin, nous arrivons à la fin de l'émission aujourd'hui, hein, pas vrai? Mais avant d'aller, nous pourrons laisser les fonds ramasser rapide pour permettre nous retenir point qui est plus important dans la conversation que nous faisons là aujourd'hui. Hein. Évidemment, c'est une conversation que nous faisons commencer parce que son problème qui a une envergure qui est très large. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, hein, là, nous commencer avec peut-être en description, on petite explication autour de sacré les prédateurs là, ça prédateur ça chercher, qui ça qui rend jeune fille tant que garçon vulnérable justement par rapport à type d'activité ça et surtout que justement yo petit monde pas pour contre dans situation comme ça. Pas vrai? Parce que aide de pour aider. Pas vrai? Maintenant avant d'entrer dans comment on monde capable joindre aide ça Marie-Jo, d'aimer que peut-être vous rappeler ou rappeler parents justement qui gen jeune petit fit en petit garçon qui nan kayo que y a pleuvé que vle que y a sacrifié pour un avenir qui pi enfin qui meilleur pour petit monde là mais maintenant qui ça n'a insisté encore une fois que vous fait et qui aller dans sans surveillance et monitoring si t'as ta insisté en plusieurs facettes par exemple un faut nous payer attention à qui sa petite nous a fait. Ouais. D'accord, on comprend que faut nous travailler. Mais si nous, ça venir nous, si nous, nous connaît que nous voulons tout bon bagaille pour lui. Donc ça les mêmes sont bagaille qui pas négociable. Faut nous prêter attention à si nous, faut nous parler avec eux. Oui. Ça veut dire que c'est très important. Surtout parents haïtiens très porter en pile jugement. Ou ça, son petit vagabond, on ne peut pas parler avec elle encore. Mm-hmm. Ah, tu fais ça, c'est tel bagage. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas dire ça, c'est petit nous. Si vous problème, essayez de travailler avec elle. Nous ne pouvons pas ajouter le dehors. Et là, nous mettons le dehors, hein, problème vient beaucoup plus large. Parce que si vous avez un prédateur à pour connaître c'est la vie, vous pouvez pas chercher. Voilà. Donc, si vous avez un dehors, parce que vous avez un problème, vous connaissez vous-même qui voyez elle tomber dans l'enfer. Et c'est vous qui pouvez le crier. Yes. C'est nous qui pouvons le crier, vous prenez petit nous, mais vous mettez le dehors. Oui. Nous ne pouvons pas parler avec elle. Oui. Parler avec elle. Si possible, nous ne sommes pas capables de monde que nous faisons confiance. Al parler au monde nous connaît qui raisonnable qui ca aider nous l'en parler à communiquer à petite là pas jeter parce que nous jeter le monde doit apprendre tout à fait il pas prendre pour l'aider il prendre pour l'abuser il cap prendre justement jetel, c'est ça pour traiter le cancou c'est moi sur papier ça c'est que papier ça me cap prendre me jeter me tirer me cacher sous lui c'est ça au fait nous non yo vinn tourner en commodité que yo utiliser pour yo faire comme c'est ça. C'est ça. Donc, ma blanc, nous, fait comme blanc dans la question sexe. Dans la question de 20 mounan, et nous sommes dans un exemple, par exemple, quand que monsieur Pontifi, il mettait en chambre de 6h à 6h, chaque demi-heure de temps, 24 garçons viennent passer sous lit, et puis il prend comme là. Donc, c'est dans ça que nous l'avons petit, nous voyons dans la rue, parce que nous ne comprenons pas quel problème que nous avons. C'est ça. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de parler, bien, demandez-nous, relons au monde que nous faisons confiance, au monde que peut-être. Pasteur nous peut-être un monde que nous connaissons qui
raisonnable qui ca comprendre qui ca communauté exactement parce que en pile fois dans communauté a nous pas vrai l'autre monde dehors connaît problème en dedans c'est pas c'est gain en pile aide à ce niveau ici et aide là dans recevoir de manière que il y a pas besoin personne l'autre monde pas besoin qu'on a fait nous donc pas jamais hésiter relé on agence kakou par exemple on connaît centre là on va voyer on connaît côté pour aider tout à fait si cette communication nous besoin ranger avec timoun là il y a un counselor dans l'école là yo qui l'a pour ça mais c'est pour chercher un counselor qui ou connaît qui a expérience et puis qui a fait travail ça longtemps et qui a déjà un rapport avec timoun mais il y a des parents tout qui t'a justement dans situation comme ça qui suspect qu'on bagaille et puis qui pas connaît ça pour faire pas vrai donc ça n'a dit là c'est bon, prends chance sur les centres là. Et même le centre là pas gagne réponse là, centre là a pé d'eau, je une réponse là. Pas vrai? Mais maintenant, adressez pour moi jeune yo, hein, qui parfois, tu sais, leurs jeunes, bon l'âge koyé ou quoi dans tout le monde, ou quoi que tout le monde c'est bon monde, ou quoi que tout le monde remet, tout le monde gentil et puis c'est la gentillesse et puis ça s'arrête là. Non, mais gain de fois tout ou même sont pas sûr de mon nom. C'est pas qu'on pense que mon nom est mort, mais on prend chance avec lui parce que ou non problème. Qu'on pas veut faire face avec lui. Ou qu'on problème dans l'immédiat et pour prendre chance avec moun sa, espérer que l'avenir a meilleur. Mais mettez dans tête nous, quel que soit moun qui offre nous aide, aide ça pas vienne gratis. Ah, c'est ça. Il y a toujours mandé pour son agence non. Communautaire. Exactement. Voilà. C'est pas même bagage. Si son moun là oui qui vient offrir aide, aide ça a vienne à un prix. Ah, tout à fait. Les prix ou bien pour payer pour l'IA, gain de l'heure, c'est pas prix ça t'a vle. Nous t'en déjà nous parler de certains cas ça qui arrivait. Des gens qui mettaient en situation, côté ils viennent victimes de ça, les trafics en personnes humaines. Vous comprenez? Donc, c'est un prix qui est tellement fort pour payer, plutôt chercher à résoudre le problème ça d'une autre manière, étant qu'on communique avec les parents, étant qu'on relaie. Mais si vous n'avez pas toute capacité raisonnement ça pas vrai jeune on a parlé de jeune non l'âge entre entre 12 et 16 ans il a pas réfléchi comme ça il doit pas réfléchir comme ça mais si tu mon arrivé dans une situation côté la font bagarre il pas qu'à dire la caille qui ça l'a fait ça veut dire ça l'a fait elle pas voilà donc ça c'est à l'homme qui pour sonner dans tête nous depuis son bagarre nous pas qu'à dire grand monde la caille nous qui ça n'a fait li pa bon. C'est ça, Kathy, pick up on that point for me in terms of the young girl. Oh, translation, right? We were talking about what I just said is that if they're doing something that they know they can't share with the adult in charge, then that's their red flag. That's something wrong. And what are we telling the, what are we saying to the young girls who are potentially vulnerable to being trafficked? What do we say to them in terms of the niceties or the luxuries or the gifts, the attention, the tenderness that somebody may show you? Well, how do you react to that? You need to really say to yourself, what is going on here? I heard this show and maybe these are danger signs. And have some red flags go up because of this kind of awareness. And if you're not sure, take a step back and wait. He'll be back. He's interested in you for one reason and one reason only. It's not the reasons you hope for. I would say talk to any one of our hotlines. You can, it can be anonymous. It's available 24/7. If you're not sure, it's okay. Maybe you don't feel comfortable talking to anybody in your household. But we have a safety net. We're going to put up the hotline number in a second. And we have a lot of people that young girls, if they're not sure, can reach out. They can go to their school principals, their trust counselors. They're not comfortable with that. Talk to other girls. Sure. Just make sure you're not alone. Sometimes that's the other their thing. Own friends need the help. Sometimes they can be the one to help out a friend who's facing the situation. Need. Absolutely. Right. And so pick up on the point about things being too good to be true and generally, in fact, too good to be true. Yes, they are too good to be true. And for you girls that are listening, when somebody that you don't know come and they want to give you all these gifts, I guess I can understand that you don't have it and you want to have it, but think about that there is nothing free under the sun. Unless this was advertised that you go pick up something, you go home, it's not free. Because eventually, and this is what normally occurs, that a man, now, an older man, and think about this, you're 14, and a 28-year-old man, a 27-year-old man, a 25-year-old man. Who's not your brother, who's not your brother, uncle, not your cousin, not your daddy, who say he loves you. Now, as a 14-year-old,
you may think that you're all that, it's but flattering. No. Why would, just think about it. Yeah. Why would this person not go after somebody their own age? So what we're saying to that 14-year-old? They want someone young so they can control you. They'll give you stuff. They'll make you feel loved. Somebody who's paying attention, who brings you a nice gift. And one day. At first. And one day, not too far away, they're going to say, but you've got to do this in return. You've got to pay for what I've given you. Mm-hmm. And as Sabrina has said, that price is way more than what you could have ever hoped to pay. Because that price is basically your own self. That's your soul. They'll destroy you. That's it. So you'll look at a mirror and you won't recognize you because you don't exist anymore. So we've got 2 minutes left. So a quick half a minute. No, I just want to say I'm glad that it's just the first of many conversations to come because that's a topic that needs really to be discussed in our community. Absolutely. Mm-hmm. We're committed to doing that. Kathy? I think for all of us, it's incumbent on us. These are our children. Yes. So we need to help. We need to help each other, and we need to get the message out, and we need to pick up the phone and make some phone calls. Mm-hmm. It's okay to make a phone call. There is a safety net. No one's going to ignore you. And you may save a life. If nothing else, you certainly could save a young person a whole life of servitude. And what they malnutrition them and drug addiction. You know, they steal their lives. They steal their youth. A lot of these women show up later, 27, 28. And they're broken. They're broken people. I will say, nda di tout moun kap tande que l'important pou nou travay ansanm, pou nou ede lòt. Si nous avons des gens qui ont un problème, aidez-le. Aidez les parents, faire au monde. Rélez au monde, demandez aide. Mais nous sommes capables, avec action, de sauver une vie humaine. Tout à fait. Thank you so much. We never said out loud the toll free, the hotline. It's written, but it wasn't said out loud. So why don't you go ahead? Here's the hotline number. Okay, numéro pour nous relayer si nous avons besoin d'aide, c'est 305 350 55 67. Répétez. Plume avec papier pour nous écrire 305 350 55 67. Très bien. Et gon moun qui répond en créole. Et pour faciliter le monde qui peut peut-être plus à l'aise avec langue créole. Yes. Donc, quittez-moi, merci à nous. I want to thank you for being here. Thank you for participating in this first of what I hope to be many more around this topic, such that in our community, people at least are aware, armed with information, we can focus on saving some of these girls. Next time, we should talk about the number of cases that you're aware of, that your office is aware of, and how some of them have ended well, and others have ended not so well. Right. Thank you, Gypsy, for allowing us to come and be here anytime, on this really important topic. Thank you. Merci à nous-mêmes. Puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Yes. Thank you.